améliorer les performances des athlètes français, le gouvernement s'est doté d'un centre ultra secret. Et c'est moi, JBF, qui ai été choisi pour diriger cet organisme. Mon équipe rapprochée est composée de l'agent Manos, le coach, de l'agent Sandra, la scientifique, et de l'athlète multisport Juanino qui teste nos inventions à chaque nouvelle mission secrète et sportive. En garde! Prêt? Hey! Qu'est-ce qui vous prend? Ce sont les mots qui engagent le début d'un combat en escrime. Eh ben, je vois que tout n'est pas perdu. À mon époque, tout le monde pratiquait. Aujourd'hui, tout se perd. Vous voulez qu'on reprenne en main la discipline? En revenant sur les fondamentaux. Respect de l'adversaire, courage et maîtrise de soi. Qu'on travaille la souplesse, l'anticipation, la précision? Eh ben, ça rentre. Vous allez surtout me travailler l'art de l'esquive en escrime. C'est comme ça qu'on gagne. Oui, oui, chef. T'as l'air de t'y connaître en escrime? Pas tellement, mais quand tu réponds souplesse, anticipation, précision, ça marche avec tous les sports. Je te rappelle les bases. Alors, les assauts se disputent en trois périodes de 3 minutes. Le tireur qui marque le premier 15 touches, ou celui qui marque le plus de points à la fin des 3 manches a gagné. Élémentaire, ma chère Sandra. Bon, je te présente Jeff, notre bras articulé d'entraînement. Je vais te le découper, ton Jeff. Il va finir en lardons grillés et il est bon pour la carbonara. Élégance et respect de l'adversaire, s'il te plaît, Juan. Et bien sûr, on salue avant l'assaut. En garde. Prêt. Allez. En te jetant comme ça sur l'adversaire, tu vas jamais y arriver. Si tu veux gagner, il faut que tu maîtrises l'esquive. Non mais je reconnais que j'y suis pas allé dans la finesse, mais d'habitude ça marche. Ben justement, on va appliquer des méthodes de bourrin pour que tu apprennes à esquiver. On va tripler l'intensité électrique de ton gilet. À chaque touche de l'adversaire, tu recevras une bonne décharge électrique. C'est comme ça qu'on apprend. Une faute, une châtaigne. Oh, mais c'est des méthodes de pourriture olympique, Michelin, ça. On n'a pas le choix, Juan. On n'est pas là pour être gentil. On doit être efficace. Sûr de toi là? J'ai inversé le circuit. À la première touche, c'est l'adversaire qui disjoncte. Ah ouais? Tu sais que je t'aime toi. Par contre, fais très attention. Hein. Ça peut disjoncter avec n'importe quel objet conducteur d'électricité. Faut être très prudent. Ah, même prends pas pour un jambon, la prudence ça me connaît, t'inquiète. T'étais où encore? J'étais aux toilettes, mais avec l'équipement ça a pris du temps. Bon, en garde. Prêt. Allez! Alors, c'est qui le meilleur? Hein? Moi. Ouais, un mini problème d'intensité. Le matériel n'était pas bien réglé. On n'est jamais à l'abri d'une boulette des services techniques. Mais j'aimerais dire aux jeunes de toujours vérifier leur matériel. Toujours.